Depuis trois semaines, Johnny Depp et Amber Heard déballent leur vie privée dans le tribunal de Fairfax, en Virginie. Si l'actrice accuse son ancien mari de violence conjugale, lui l'a attaqué pour diffamation suite à ses déclarations dans le Washington Post, en 2018. Si le comédien continue de clamer son innocence, Amber Heard a quant à elle livré un témoignage glaçant dans lequel elle décrit les sévices qu'elle aurait subis. Mais ce jeudi 5 mai, la tension est montée d'un cran. Si tout est mis en œuvre pour que les anciens époux ne se croisent pas, une scène surréaliste a été filmée par les caméras de surveillance. Sur les images retransmises, on peut alors voir Amber Heard se lever pour aller en pause déjeuner. Mais au même moment, Johnny Depp, qui est en train de discuter avec son avocat, rejoint lui aussi la barre. Voyant son ex-mari s'approcher, elle a un mouvement de recul, visiblement effrayée. Les forces de l'ordre présentes dans la salle interviennent et demandent ainsi à l'acteur de s'éloigner. La tension est bien visible entre les deux, qui ont bien failli avoir un contact alors que depuis plusieurs semaines ils ne se parlent que de façon indirecte. Le témoignage glaçant d'Amber Heard auparavant, Amber Heard avait décrit les sévices qu'elle aurait subis lors de nos disputes. J'ai toujours essayé de me défendre. En décembre 2014, je l'ai repoussé encore et encore. J'essayais toujours de me relever, mais parfois, enfin presque toujours, cela empirait la situation et semblait le provoquer. Je lui criais dessus, je l'insultais par des mots affreux. J'étais tellement en colère contre ce qui était en train de m'arriver. Pour moi, tout cela était tellement injuste. De son côté, Johnny Depp a déclaré sous serment ne jamais avoir levé la main sur Amber Heard, « Je n'ai jamais frappé Madame Heard. Je n'ai jamais frappé une femme de ma vie. » Loading Widget. We'll be right back.